evening and welcome to the Maracanã. It's match day 6 of the UEFA Champions League. It's Crvena Zvezda versus Paris Saint-Germain. Red Star Belgrade versus Paris Saint-Germain. A must-win match for Paris Saint-Germain. A must-win match for Red Star as well. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Laure Boulot with us again tonight for the big match. Laure, it's great to be here. Another fantastic stadium, another big atmosphere and another huge match for Paris. Bonsoir Roby, bonsoir à tous. Oui, on est au Maracanã et on est heureux de vous retrouver pour un match très important pour le club. L'étoile rouge contre le Paris Saint-Germain, ça va commencer tout à l'heure. Dans une ambiance un peu survoltée avec des enjeux pour les deux équipes. On s'attend à un gros match et puis on a hâte de vous dévoiler les compositions d'équipe. That's right. Before we do the situation in Group C, Napoli lead the way. They are 1 point ahead of Paris Saint-Germain. 2 points further back, there's Liverpool. And then a further 2 points behind is Étoile Rouge, Red Star Belgrade in fourth place. Paris, with the win, are through to the last 16 in either first or second place. A win for Red Star Belgrade and a loss for Liverpool, they can still qualify for the Europa League. That's basically what's at stake. Paris are in a good position at kickoff. Oui, tu l'as bien résumé. Si le Paris Saint-Germain gagne ce soir, ils ont leur destin entre leurs pieds, on va plutôt dire ça, plutôt que leurs mains. Ils seront qualifiés pour les prochains tours de Champions League. Et l'Étoile Rouge de Belgrade a encore une chance de se qualifier pour l'Europa League en cas de victoire. Voilà, il y aura des calculs à faire pendant tout le match. Mais le plus important, c'est de savoir que si on gagne, on a le destin entre nos pieds. That's right. If we don't win, if we draw, for example, and Liverpool win, then it is really very difficult to work out just who will go through. Let's hope that doesn't happen. Paris Saint-Germain looking to become the first team this season to win here in Belgrade as well, because Red Star are a very tough nut to crack here. No one has scored here against them this season. Napoli, a scoreless draw. Liverpool beaten 2-0. It means that the team play better here. Red Star play better here, and also that this stadium, this atmosphere also plays a part. Oui, il est très compliqué de gagner ici. Ça fait donc personne n'a gagné ici en championnat. Et en plus de ça, ils ne prennent pas de but. Liverpool n'a pas mis de but et Naples non plus. Voilà, on a rencontré des Serbes aujourd'hui qui nous ont dit qu'il y avait deux équipes de Belgrade, il y en a une à l'extérieur et une à domicile, et clairement à domicile, c'est pas la même. L'ambiance, certainement un stade un peu étrange, mystique. Ça les met à 150% de leur potentiel, donc il va falloir s'en méfier. Après, je pense quand même l'avantage. Le Paris Saint-Germain est venu match pour la première fois aussi cette année pour se mettre un peu dans l'ambiance, découvrir le stade et éviter justement d'être impressionné par tout ça et les facteurs autres que ceux du football. That's right. Well, I'm sure this Paris Saint-Germain squad will stay focused on the job they have to do. There are some very experienced players, and there are about 500 travelling supporters here as well. We'll have a look at them in a couple of moments' time. But first, we have the formation, the lineups for both sides, and we'll start perhaps with Paris Saint-Germain. Laure, the good news, I guess, if you look at it that way, after the result against Liverpool, is that it's the same 11. That played Liverpool, that beat Liverpool at the Parc des Princes, and looking at the way they're lining up, we can imagine it will be that same of 3-3-4 attacking and a 4. Ça a été la grande interrogation avant ce match. Donc de le voir de retour dans le 11. Après, voilà, c'est exactement la même équipe. Ça avait très bien fonctionné à Liverpool. On a un système à géométrie variable. Donc, effectivement, 4-4-2 défensif, un 3-3-4. Voilà, ça va. Les joueurs ont l'habitude. Et justement, c'est d'adapter un petit peu ce système et de ne pas être dans des zones qui sont particulièrement celles des joueurs, qui surprennent un peu l'adversaire. Et c'est ça qui avait mis en difficulté Liverpool, je pense. How Paris lined up. Let's go up and have a look at the Paris Saint-Germain supporters up in the terraces. They're here singing up a tune as well.
Okay, well, you can see the Paris Saint-Germain fans there. There are about 500 that arrived earlier today here in Belgrade, and they've been singing up a storm for the last 20 minutes or so. They can get drowned out a little bit by those around them, but one thing's for sure, they will keep singing for the full 90 minutes right beside their team. Now, Laura, we were just chatting about that lineup. We'll go back again in case there was a microphone problem there, but it's the same team for Paris Saint-Germain. Is great news, as you mentioned, because Neymar is there. Ce soir, il s'est blessé et on est content, ben, tout simplement, c'est un joueur essentiel de l'effectif. Et après le match qu'il avait fait à Liverpool, c'est vrai qu'on se dit que c'est vraiment préjudiciable si on ne peut pas avoir Neymar. Donc voilà, on a le même, exactement le même 11, exactement le même système, un peu hybride, avec un 4-4-2 plutôt et un 3-3-4 offensif avec Marquinhos qui viendra décrocher entre les deux centraux. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas ce soir. Justement, ça va surprendre un petit peu l'adversaire parce qu'on ne sait jamais trop dans quelle zone les joueurs vont se situer. D'autant que les latéraux vont pouvoir aussi prendre les couloirs à l'image de Bernat contre Liverpool. Well, that's right. Marquinhos. So quickly in the match, perhaps that's something they have to do here as well. If Paris can score early here, that will also help quieten down this crowd. Atmosphere for being a factor in this match. Oui, ce système-là fait qu'ils peuvent aller les chercher très haut et les surprendre et marquer rapidement. C'est vrai que ça serait l'idéal. On sait ici que c'est compliqué de marquer, l'ambiance est lourde. Si les joueurs du Paris Saint-Germain marquent rapidement, ça va faire taire un petit peu cette ambiance qui peut les timorer, etc. Donc on va espérer ça, mais bon, c'est pas gagné. We do know that this team are very hard to beat here. As you mentioned, Laura, it's 45 matches in the Serbian Super League that they haven't been beaten here. 40 wins and 5 draws. They're champions in Serbia for the 28 times as we change microphones. Once again, you can keep that microphone. Okay, okay. Just so, well, it doesn't work, but come on. This atmosphere, the fact that they haven't conceded goals here, Law, but the fact that Paris last year set a new record for goals in the Champions League, and that this year are the second highest scorers in the Champions League again. If anyone can score here, and that's also the fact that Neymar is here despite only a couple of training sessions really since he was injured against Bordeaux, the fact that he is here, the fact that the coach always wants to have those four attacking players on the field at one time, if anyone is going to score here, it should be Paris Saint-Germain. Je pense que Tourelle, il est assez clair, il a laissé ses quatre attaquants parce qu'il a la volonté d'être de confirmer sa philosophie, c'est-à-dire de marquer beaucoup. Le Paris Saint-Germain, c'est une des meilleures attaques dans la Champions League et il va confirmer ce soir qu'il n'est pas là pour défendre, mais il est là pour faire le jeu, pour faire du spectacle, à l'image d'un Neymar qui effectivement ne s'est pas entraîné depuis 2 semaines, depuis Bordeaux, c'est à peu près 2 semaines. C'est un pari, mais je pense que le choix peut s'avérer payant, dans le sens où c'est un joueur qui peut faire des différences. Après, s'il y a un pépin, il sortira, mais je pense que c'est important de le mettre d'entrée. Au pire, il tient peut-être une mi-temps, ce qui serait déjà bien. Et en espérant, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il fasse la différence rapidement pour ne plus être perturbé par tous les facteurs extérieurs au football. We also saw in the first leg that Paris proved far too strong for Red Star Belgrade. A 6-1 victory. Everyone was saying there's no contest between the two sides. Paris are a lot stronger. We've since seen with those results against Napoli and Liverpool here that that's not the case. Should Paris try and build on that 6-1 victory at the Parc des Princes or forget about it? Forget about that win and this is a new challenge, a new match. Mon point de vue, c'est qu'effectivement, ils ne doivent pas vraiment s'appuyer sur ce match-là. Déjà parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'étoile rouge de Belgrade. Il y a une étoile rouge de Belgrade à domicile et une étoile rouge de Belgrade à l'extérieur. Certainement, le Paris Saint-Germain a fait un gros match au Parc des Princes, mais peut-être que Belgrade n'était clairement pas non plus à son meilleur niveau. Ce soir, c'est un enjeu maximal. Il peut y avoir plus de pression,
Donc des performances complètement diverses par rapport au match aller. Et je pense que c'est un piège, ça peut être un piège justement de se dire que ça peut être un match facile, surtout dans cette atmosphère. We have gone through the tactics for Paris with this hybrid system, but we haven't announced actually the names. We know that they're the same against Liverpool. In goal, it's Gianluigi Buffon. We know that the coach appreciates the experience of Gianluigi Buffon in these big matches. He'll be coming out to warm up quite soon. You agree with that choice over Alphonse Areola, that Buffon is someone that can give a certain serenity, particularly in these big matches, in these big atmospheres? C'est difficile parce que je connais très bien aussi Alphonse Areola et c'est un super gardien. Encore plus, il est champion du monde. Il a prouvé qu'il avait franchi des paliers. Mais je pense que depuis Naples, depuis qu'il a remis Buffon pour ce gros match avec un gros enjeu, certainement que Tourelle a eu le déclic de se dire que dans les matchs avec beaucoup de pression, il était important que Buffon soit là dans les buts pour rassurer tout le monde. Je pense que c'est au-delà du sportif, au-delà du football, au-delà de ses qualités de gardien. Je pense que c'est vraiment une histoire de mental et de transmission de confiance à toute une défense, voire même toute une équipe, peut-être plus de communication. Voilà, c'est important. On ne se rend pas compte, mais à haut niveau, le mental, pour moi, ça prend une portion qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Et avoir une défense qui est calme et rassurée juste par la présence d'un homme, ça peut aussi faire la différence. Elsewhere, across the back, we have Presnel Kimpembe and Thilo Kehrer. Both very young players, both with a lot of experience, a huge potential. Thilo Kehrer in particular, we've seen him growing in stature after a couple of nervy first matches and a couple of penalties given away. We've seen him, and against Liverpool, really be the player that we expected him to be when he signed. He holds his place on the right, Juan Bernat on the left. Bernat has scored in the last two Champions League matches for Paris Saint-Germain. Oui, c'est voilà, Kehrer, c'est contre Liverpool, je pense que ça a été le meilleur match qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il est en train de se lâcher petit à petit. C'est vrai que ses premiers matchs, on sentait qu'il avait un peu de pression et ses performances n'étaient pas à la hauteur de son talent déjà et pas non plus à la hauteur de ce qu'on attendait de lui au Paris Saint-Germain. Il est sur le couloir droit, il peut jouer aussi dans l'axe, mais c'est vrai que ce couloir lui va bien. On sait qu'on a aussi Thomas Meunier qui est un excellent joueur. Il y reconduit, je pense, Kehrer, ce qui est mérité au vu de ses performances. Et puis sur le côté gauche, la petite mobilette Bernat, qui effectivement a pris l'habitude de marquer dans les gros matchs. A goal tonight for Juan Bernat. It will be 3 goals in 3 matches. First time ever for Paris Saint-Germain in European competition that a defender scores in 3 matches in a row. Did you ever do that? Non. Est-ce que j'ai marqué en Champions League? Je ne sais même pas. Je ne marquais pas beaucoup de buts, donc il y a peu de chances pour que... Mais j'ai dû marquer déjà quand même en Champions League. Voilà, mais la performance de Bernat en plus dans des matchs de... avec... C'est dingue quand même de se dire qu'un latéral peut marquer contre... Qui peut dire qu'un latéral Napoli peut marquer contre Naples et Liverpool? C'est un incroyable destin et c'est super parce que c'est un peu comme Thilo Kehrer. Il venait d'arriver, on a senti que c'était un peu compliqué au départ, l'adaptation peut-être, le football tout simplement. Et on sent qu'aujourd'hui, il a pris ses repères. En plus, il est décisif. Voilà, donc tant mieux pour l'équipe. C'est vraiment bien pour tout le monde. We've spoken a lot about Neymar, who will be in that number 10 role. Behind him, Marquinhos and Verratti. Marco Verratti, another one who we've seen at 26 years of age after surgery last summer on the groin for the second time. He's a player that seems to be more mature now. His performances certainly have reached a height with the national team as well. This is the Marco Verratti that everyone loves seeing this season. Pour moi, Marco Verratti, c'est l'homme aussi qui a tout changé depuis qu'il est revenu dans l'équipe. Voilà, c'est sa capacité à garder les ballons. C'est un peu aussi comme Buffon, mais au milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on sait que bon, il est là. Tranquility for the rest of the team. Il est capable. À un moment, on est un peu en difficulté, on va lui mettre le ballon parce que on sait qu'il va être capable de la garder et effectivement de donner de la tranquillité à cette équipe. Associé à Marquinhos, c'est hyper intéressant. Parce que Marquinhos va mettre de l'impact et il va être très fort dans la récupération. Il est forcément moins agile avec le ballon. Enfin, on va dire qu'il est. C'est pas un numéro 6 de métier, donc il va pas avoir les mêmes qualités que Verratti. Mais de les associer tous les deux, je trouve ça assez exceptionnel. Il me semble qu'à Liverpool, Marquinhos était aussi au milieu de terrain, mais il n'avait pas Verratti avec lui. Et les deux associés, ça fait quand même toute la différence. Up front, we've got Neymar in that number 10 role. Kylian Mbappé on the right. Angel Di Maria on the left, we can expect them to swap and change a little bit as well. And then up front, Edinson Cavani, who tonight will play his 50th
Champions League match for Paris Saint-Germain more than any other player as well. He'd like to crown that with a goal as well. Je pense que ça va beaucoup permuter devant. On peut aussi voir un Neymar qui va sur le côté gauche avec un Kylian qui se retrouve un peu axial et avec des appels en profondeur comme il aime bien le faire. L'association Neymar-Kylian fonctionne très très bien. Je pense qu'on va l'avoir ce soir. C'est cette force-là, cette attaque. C'est que les joueurs changent en permanence de poste. Et donc ça va perdre l'équipe en face entre la profondeur avec Kylian ou le pied gauche de Di Maria, le débordement. Pardon. Gianluigi Buffon just walking out onto the pitch with Alphonse Areola and Sébastien Cibois. That's the noise we can expect to hear inside this stadium, this atmosphere. Earlier today, the under-19s won by a goal to nil. I'm not sure if you can hear us. Just to say, the under-19s are into the playoffs of the next round of the Youth League, where they will have to qualify for the last 16 proper. But a 1-0 victory for the under-19s against Étoile Rouge Red Star here in Paris. A match that finished in the snow because, I can tell you, you have your Christmas hat on, Laure, but it is starting to get very, very cold here as well. Il fait très froid, effectivement, on le rappelle, la Youth League s'est imposée 1-0 tout à l'heure. Ils sont qualifiés, donc félicitations à eux. On va espérer qu'ils nous portent chance pour la suite. Maintenant, place aux grands. Déjà, on peut découvrir l'ambiance. Well, have a look, Ben, the cameraman will send you over there to have a look at the Gianluigi Buffon, Alphonse Areola warming up, Sébastien Cibois there as well with Gianluca Spinelli, the goalkeeping coach, who joined Paris Saint-Germain with Gigi Buffon. Laure, that's going to be it for us. We'll have to say goodbye. We're expecting a big match from Paris. You're confident, I know. Yeah, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais effectivement, je pense qu'on a tellement parlé du fait que ça allait être difficile et qu'il allait pas avoir de but. Je sens que ça va être assez ouvert et qu'on va marquer rapidement et j'annonce un 4-1. Well, let's hope so. We'll say goodbye. 4-1 for Laure Boulot. Let's hope that she's spot on tonight. Enjoy the match. We'll be back after the match on PSG.fr, PSG TV, all the social media accounts with the post-match interviews tomorrow. The Laure report, the L'Instant Laure on the website as well. A good one? ça va être une belle histoire encore. J'espère vous retrouver demain sur L'Instant Laure. Bon match à tous et allez Paris. Allez.